c'est une journée un petit peu spéciale. C'est ce qu'on appelle le supplément d'âme chez nous. C'est l'idée de se dire que bah voilà, Kiloutou n'est pas isolé dans son hors du monde, mais bien impliqué dans un territoire. Donc l'idée, c'est de pouvoir permettre en fait aux salariés de s'investir dans des associations. C'est le sens de la journée qu'on a organisée aujourd'hui avec l'association Engagement Simone. On a été accueillis en fait par un petit déjeuner super sympa par les salariés de l'association. Donc il y a eu d'abord un temps de rencontre collectif où de manière croisée les personnes ont pu se présenter, se rencontrer, dire qui elles étaient, ce qu'elles attendaient de la journée. Ensuite on a eu l'occasion d'aller visiter le site puisque c'est pas que un magasin solidaire, il y a aussi une ferme pédagogique, il y a aussi des serres, des espaces de culture. Donc voilà, on a eu un peu une visibilité de l'endroit. Là maintenant on prépare l'ouverture du magasin solidaire. Donc la première étape ça va être de faire l'inventaire, donc de trier, de sortir les vêtements qui sont dans les cartons, de les répartir. Et puis ensuite, des rentrées de manière informatisée et enfin de les installer dans le magasin pour que l'ouverture puisse se faire rapidement. Le fait que les salariés de Kiloutou viennent à nos côtés pour nous donner un coup de main, c'est un encouragement. À mettre en œuvre le magasin, à développer les actions que nous souhaitons développer. Et c'est un encouragement pour les salariés qui sont, eux, à la recherche d'un emploi. On a pu procéder à des présentations réciproques avec l'ensemble des salariés de la ferme, les permanents aussi. Et le fait de se faire rapprocher ces deux mondes, rien que ça, déjà, c'est une réussite. Ce que ça apporte à l'engagement Simone, c'est surtout ce que ça apporte aux associations, puisque finalement, là, ça a permis d'aller beaucoup plus vite dans le projet, d'aller plus loin, donc de le développer, le projet de l'association, d'ouvrir ce magasin. Et pour les bénévoles comme pour les bénéficiaires, ça apporte beaucoup de confiance en soi, de se dire qu'il y a des entreprises, des salariés qui sont prêts à se mobiliser une journée, deux journées, pour venir développer leur projet. Participer à une journée comme aujourd'hui, c'est d'abord donner du temps, donner de soi, donner du temps utile pour rendre service et tout ça en partageant un super moment de convivialité, d'entraide et de travail en équipe en sortant de son cadre quotidien. Ça fait du bien à soi, ça fait du bien aux autres et c'est une belle action qu'on mène, donc c'est pleinement satisfaisant.